testé dans la rue, vous avez commencé un peu comme ici ça. Aussi, hein, ici aussi, à Montpellier. Dans ce jeu, tu vois. Oui. Vous l'avez entendu. Même là, je crois. Ouais, même ici, à la place Petra, ouais, ouais. Encore mieux. Donc, moi, je connais un groupe, Hypnotic Brass Ensemble. Eux aussi, c'est un groupe qui s'est manifesté dans la rue. Eux, ils m'avaient raconté des histoires où il y avait des trucs assez spéciaux qui se passaient dans la rue. Et puis, du coup, ils ont pu apprendre quelques leçons de toutes ces expériences-là. Et puis, incorporer ça dans la musique. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est la même chose? Est-ce que chaque musicien a une petite expérience différente? Quelque chose qui ramène après? L'humilité, je pense, de bouger pour faire connaître ta musique, de scinder le groupe aussi, parce que tu te retrouves dans des galères des fois à Montpellier où ça a été quand même le plus dur pour nous parce que... Le souder plutôt. Ouais, ce que j'ai dit, non, scinder. Sud, c'est ça. Ah oui, souder, pardon. Ouais. Souder le groupe. Et ça a été compliqué parce que on était parti en tournée, on s'est retrouvé ici et c'est un peu plus compliqué de jouer ici que dans d'autres villes. Parce que les policiers sont très gentils, hein, mais ils sont à l'affût. Hein. Ils sont là. Mais voilà, tu te fais des galères, des fois t'as envie de rire, des fois t'as envie de pleurer. Et ça, je pense que pour nous, ça a été vraiment l'élément déclencheur de tout ce qui est arrivé derrière, parce que tu ne peux pas être plus uni que dans ces circonstances-là. Donc je pense qu'effectivement. Voilà. Ça, c'est parlé. Il y a ce rapport avec. En plus, c'est vrai que de revenir ici, c'est quand même marrant, on s'est dit tout à l'heure. Un petit coup de déprime, ouais. Ah, on est revenu là, on n'était pas revenu à Montpellier depuis un moment. Ouais, maintenant, c'est la soirée de nostalgie plus que de déprime. Nostalgie, ouais. Et puis, on va passer un peu plus fun. S'il y avait un artiste mort ou vivant avec qui vous pouvez jouer, qui est-ce? Facile. Le groupe de luxe ou chacun? Bah, chacun. Vas-y, Pépé. Vas-y, Mimi. On a perdu Louride. Ok, Pépé. Louride. Ce serait. Rage. Rage Against the Machine? Ouais. Brassens. Brassens? Philippe Risoli. C'est celui qui jette son micro et qui le rattrape. Ah, d'accord. Il avait fait les patatas. Elles sont cuites. Elles sont découpées en douce, les patates douces. Les patates douces. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et pour ma part, c'est Henri Diaz. Juste côté rôle, peut-être. Ah. C'est pour ça que t'as pris l'album tout à l'heure. Exactement. Quoi, c'est ça que t'as pris? Oh putain, non, ça. Non, il s'est acheté pour sa collection. Ah, d'accord. Parce qu'il sait qu'il a une collection de plus de 10 000 vinyles. Ah ouais? Parce qu'il a 10 000 ans. J'ai 150 ans. C'est bon. Et donc, la prochaine question, c'est absolument ridicule, mais voilà. Si tu préfères quoi dans la vie? Finir toutes tes phrases par « bah de toute façon, la, c'est bon pour la peau » ou avoir la gueule d'un chameau et puis la laine qui va avec? tu peux répéter? Est-ce que tu préfères finir toutes tes phrases par « de toute façon, l'ananas, c'est bon pour la peau » L'ananas. L'ananas, c'est bon excellent pour la peau. Ou avoir toute ta vie la gueule d'un chameau et puis la gueule comme un chameau. L'ananas, non? L'ananas, après, tu finis toujours cette phrase-là. À la limite, tes potes, ils sont courants, ils se bougent les oreilles pour la dernière phrase. Je sais pas. Ouais, moi aussi, l'ananas, c'est bon pour la peau. Quand tu la rencontres en soirée avec une nana qui te plaît bien. Salut, tu vas bien? L'ananas, c'est bon pour la peau. Ouais, même la laine de chameau, tu rentres même pas dans la avec la laine qui va avec. Avec la laine qui va avec, oui, ça se fait. Ouais, la nana. La nana, toujours. Je pense que c'est la réponse à peu près. Je pense pas qu'on va y avoir une gueule de chameau. Ouais, part si on a un chameau déjà. Ouais. C'est super ce que tu fais. J'essaye. J'aime ton style. C'est la philosophie, ça. Ouais. Et puis donc là, avant qu'on commence l'album, on vous a demandé de sélectionner un album et le présenter, une petite raison pourquoi. Donc on va commencer de l'autre côté. Vas-y, t'as choisi quoi? Allez, Pépé. Juste côté Ron, Winter in America. Le titre est Bouton. Je faisais ça parce que je suis fan de Gilles Scott Heron et que j'ai connu ça depuis quelques années et que je trouve ça éclectique et j'aime les harmonies et la voix de ce chanteur et je trouve que c'est un avant-gardiste. Waouh! Non mais merde! Mais merde! C'est énorme ce que tu fais! C'était énorme, mec! Comment on passe après ça? Bah, je sais pas. Moi, je parle pas après toi. C'est surprenant.
Pour ma part, bah, c'est... Pour ma part. Oh, facile. Oh. Facile. Non, mais facile, voilà, mais... Voilà, ça parle de lui-même. Voilà, pour ceux qui savent pas lire, il y a plus quoi ? James Brown. Yeah. James Brown. Voilà. Ceux qui parlent pas anglais, c'est quoi ? C'est James Brown. C'est Jean Marron. Voilà, Jean Marron. Jean Marron. Ça, c'était limite. Jean Marron. Jean Marron. Voilà, voilà, à toi. Ok, moi j'ai mis un 3 à tout le monde, je crois. Pouh, je l'ai vu. C'est quoi, vu, moi ? Moi j'ai pris RJD2. Ah, ah, bravo. Ah, d'accord. Non, j'ai pris RJD2 parce que c'est l'une des plus grosses claques après Fatboy Slim. D'un DJ beatmaker sachant parfaitement allier la musique de groupe avec son style, et il y a toujours quelque chose que j'ai pas compris, c'est comment il faisait pour séquencer ses morceaux, ça reste un mystère. Donc grosse dédicace à toi si tu nous regardes. Moi j'ai choisi Brassens. Ah, parce que déjà je suis un gars, et puis parce que c'est le seul que j'arrive à écouter en boucle sans me lasser. C'est vrai que t'es un gars. Même Asbin est super. T'as pris quoi, bonbon ? Moi, c'est Rage, le premier album. Et surtout qu'en plus, vu que c'est un vinyle, c'est un très bel objet. Et ça, c'est une édition spéciale des 20 ans avec le, quand même la pochette sur le Skull. Ouais. Voilà, un bel objet et un super album, pareil, qui s'écoute en boucle en bagnole. Parfait pour la bagnole, le vinyle. Oh, c'est là le prochain. Oh, t'as refaire Chewbacca. Ouais, c'est ça. Mais la platine, non. Ouais, voilà. C'est, on l'a fait déjà. J'ai pas trouvé de Mass Education of l'origine, mais parce que je sais pas qui aurait pu faire son adolescence sans cet album. Oh, c'est énorme. C'est vrai. Chapeau. Toute l'histoire de France en une fois. Ouais. Ouais. Bah, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous les gens qui nous regardent, achetez l'album Deluxe. Sorti maintenant. Ou l'achète pas. Moi, non, achetez. Bon, casse-toi vite de ce site ou de cette radio parce que c'est. Non. Mais viens nous voir en concert. Mais viens nous voir en concert. Ce soir. Ce soir à Montpellier, à Victoire 2. Voilà. Bah écoutez, merci encore. Bah merci à toi. Merci à toi. Casquette, je dirais même plus. Ouais. Merci. Merci beaucoup. On va aller en mettre moins. And the great